Hey, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour l'ouverture de la box Look Fantastique. Donc la Beauty Box. J'adore cette couleur pastel. C'est un vert pastel. Franchement, j'adore, ça fait un peu couleur bébé, un peu. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, allons-y. Je l'ouvre d'abord. Voici comment elle se présente. Donc, on a l'édito qui est en anglais. C'est pas grave, je vais faire en même temps une recherche et je vous montrerai donc le produit. Je vous détaillerai le produit en faisant la recherche. Et hop, je vous montre. Donc, elle est super bien emballée. Donc, pareil, comme pour la Glossy Box, on a plein de petits trucs comme ça qui protègent en fait super bien les produits à l'intérieur de la box. Je vais choper le premier produit et c'est de chez Ava. On a ici donc un shampoing minéral top. Alors, je connais pas cette marque, hein. Donc, vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Je vous dis tout de suite ce qu'on dit sur ce produit-là. Donc, alors, moi, c'est un format voyage de 40 ml que j'ai. J'aime bien. Je trouve qu'on peut vraiment avoir une idée du produit, même avec ce format-là. Et il faut savoir que donc, le format vente est dans une quantité de 400 ml pour un prix de 27,50. Donc franchement, c'est pas donné. Intéressant de pouvoir tester. Donc là, c'est un shampoing minéral pour cheveux. Il est doux. Il est enrichi en minéraux de la mer morte. Ce soin capillaire nettoie et hydrate en profondeur les cheveux et le cuir chevelu. Voilà ce qui se dit sur ce produit-là. Eh bien écoutez, je suis très contente de pouvoir le tester. Donc, premier produit de cette box. Et je vais le poser là. Comme ça, on le voit bien. Alors, deuxième produit, oui, de la marque Polar. Donc, c'est une crème jeunesse, neige éternelle. Je vous dis tout de suite. Donc, crème jeunesse éternelle aux fleurs arctiques dans un pot de 50 ml. On est d'accord, c'est au prix de 45 €. Toujours, bon, la gamme Polar, si vous connaissez, c'est des produits qui ne sont pas donnés, mais c'est de super bons produits. Donc là, cette crème, elle est à 95% naturelle. Moi, bien sûr, j'ai un format de 15 ml, format voyage. Donc, Polar vous propose ici sa crème jeunesse éternelle aux fleurs arctiques. Cette crème vous permettra de retrouver l'éclat, la fermeté et le tonus de votre tout en. Oula, il manque un mot là. La fermeté et le tonus donc de votre peau tout en l'hydratant et lissant les pores. Grâce à sa composition à base de fleurs arctiques, elle viendra stimuler et régénérer les cellules. Donc, bah, moi, de toute manière, vraiment, cette marque, je suis toujours contente quand je trouve un produit à tester. Et celle-ci, je ne l'ai pas testée, donc ravie. Troisième, pardon, produit que j'attrape est la Deep Sleep Pillow Spray. Alors, un spray. Je vous dis tout de suite. Donc, c'est un spray d'oreiller de la marque Diswork. Dans une quantité de 10 ml, donc il faut savoir que la taille vente est de 75 ml pour 23 €. Alors, information sur le produit. Diswork croit qu'une belle peau commence par une bonne nuit de sommeil. Tout à fait.
Donc, ce spray d'oreiller aide à réduire l'anxiété et le stress et à améliorer la qualité du sommeil. Eh bien, écoutez, je suis le bon cobaye. J'ai du mal à dormir, je suis une angoissée, donc c'est parfait. Je vais le tester avec grand plaisir. Je vous dirai ça. Alors, quatrième produit que j'attrape, rose quartz. Skin chimiste. J'ouvre. Qu'est-ce que nous avons là? Oh! Un joli petit gloss. Oh, bien sûr. Skin Chimiste, je vous dis tout de suite ce qu'on nous dit sur ce produit-là. Donc, c'est un produit full size d'une valeur de 19,95 euros, on va dire 20 euros. Ce soin pour les lèvres vise à stimuler la production d'acide hyaluronique et produit un effet repulpant. La circulation du sang à la surface des lèvres est stimulée par l'huile de menthe poivrée et permet d'avoir des lèvres plus charnues, un gloss très naturel qui brille mais sans coller et qui en plus a un effet soin en profondeur. Très intéressant, très contente de ce produit. Oh zut, je fais tout tomber. De ce produit make-up du coup. On va le mettre là. Voilà. Et avant-dernier produit que j'attrape de Blossom Bloom. Bloom Blossom. Qu'est-ce qu'on a là? Je fais ma petite recherche et je vous dis ça tout de suite. Donc là, j'ai une quantité de 15 ml. On est sur un format donc voyage. Et le format vente est normalement de 50 ml et il est à 27 euros. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le produit? Donc la crème Bloom and Blossom and Up hydrate parfaitement la peau de vos mains et lui apporte les éléments nutritifs dont elle a besoin. Protège la peau, ralentit les signes du vieillissement de la peau. Empêche la peau de sécher, s'absorbe facilement, régénère, laisse la peau douce et soyeuse. Donc c'est une crème pour les mains anti-âge. Parfait. Parfait. Puis alors c'est la bonne saison. J'arrête pas moi, les lèvres, les crèmes, les mains, c'est la période, elle se dessèche très vite avec ce froid, donc c'est parfait. Alors, dernier produit que j'attrape, là c'est un full size. C'est à base de lavande, ça j'en suis sûre, et de thé. On est sur un produit vegan dans une quantité de 100 ml. Et comme tout est écrit en anglais, je vous dis tout de suite ce que c'est. Je trouve pas grand chose dessus, donc un gel douche aux extraits, donc à l'extrait de lavande, de thé, citron, donc calme, apaise, hydrate, nourrit la peau. Voilà, très intéressant, très contente. Surtout que moi j'adore les produits à la lavande, je sais pas s'il est operculé, oui, et je voudrais pas l'ouvrir tout de suite. Après, je sais que certains sont sensibles à la lavande, donc ils risquent d'être déçus sur cette boîte parce qu'il y a deux produits extraits à la lavande. Mais bon, moi, j'adore, donc je suis très contente. Du coup, 6 produits, dont 2 en full size. Vraiment très, très intéressant. Elle est donc, je vais la redisposer, mais on voit juste derrière la Glossy Box, donc tout ce que j'ai reçu de la Glossy Box, et voici tout ce que j'ai reçu de la Beauty Box de chez Look Fantastic. Franchement, elles se font du coude à coude. Mais voilà, moi, la Glossy Box, ça va faire maintenant 11 mois que je teste. Jamais, jamais une seule fois, j'ai été déçue.
Donc, si je devais les noter à l'heure, la Glossy Box reste en première position, mais tout de suite suivie, là pour le coup, par la Look Fantastique. Voilà, je vous laisse. Si ce contenu vous a intéressé, bien n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous rejoindre, rejoindre ma communauté. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Bye!